La Chine accélère son processus d'urbanisation, notamment concernant la réforme du système d'enregistrement des foyers, connu sous le nom de Ruko, et cela bénéficie déjà aux travailleurs migrants. La ville de Xinjiang, dans la province centrale chinoise du Hubei, a mis en place un nouveau système de permis de résidence, octroyant à tous les habitants ruraux et urbains le même accès à la sécurité sociale et aux services publics. Les travailleurs migrants qui se sont inscrits pour vivre dans les villes pourront garder leurs droits de propriété dans leur village. Le gouvernement de la ville de Xinjiang alloue un montant d'environ 150 000 yuans, soit 23 500 dollars pour chaque résident sous forme d'allocation de base. Ces réformes permettent aux travailleurs migrants ayant un emploi stable et des compétences de s'installer dans les villes avec leur famille et de jouir des mêmes droits que les personnes enregistrées en tant qu'habitants urbains.